Les rhumatismes ou maladies du squelette qui rouille touchent une personne sur cinq en France et 100 millions de personnes en Europe. Ils sont le premier motif de recours aux soins et d'hospitalisation, la cause majeure d'arrêt maladie, de handicap physique et de retraite anticipée. Contrairement aux idées reçues, ce ne sont pas seulement des maladies de personnes âgées. Les affections de l'appareil locomoteur frappent hommes et femmes à tout âge. Les rhumatismes chroniques inflammatoires atteignent souvent de jeunes adultes, des enfants et même des nourrissons. Ils provoquent des douleurs intenses, des déformations, des handicaps sévères et peuvent être une cause de mortalité précoce. Que ce soit la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux systémique, le syndrome du Gougereau-Jeugren, la sclérodermie, l'arthrite juvénile idiopathique, la maladie de Behcet, la spondyloarthropathie ankylosante, la polychondrite atrophiante, mais aussi à terme l'arthrose, ces maladies ont en commun une défaillance du système immunitaire qui s'autodétruit. On dit que ce sont des maladies auto-immunes. Prenons l'exemple de Cassio, qui est un sportif avec une souplesse et une mobilité formidables. Un jour, au sein de son articulation, une anomalie apparaît provoquant une inflammation. En réaction, le système immunitaire déréglé enclenche un double processus d'attaque et de cicatrisation qui tourne en boucle dans une réaction en chaîne qui s'amplifie. Cette réaction provoque soit le raidissement des tendons et des ligaments, soit une destruction du cartilage et une érosion osseuse. À terme, ces maladies extrêmement douloureuses déforment et soudent l'articulation. Mais les raisons de ces dérèglements sont encore mal connues et aucun traitement ne permet de guérir ces maladies. Malgré leur très lourd impact social et économique, les rhumatismes subissent un déficit important en termes de recherche et de notoriété. C'est pour combler ce déficit et redonner l'espoir à tous ceux qui souffrent que nous avons créé la Fondation Arthritis. La Fondation Arthritis est la seule en France à soutenir la recherche académique sur les rhumatismes. Elle a depuis 25 ans contribué à ouvrir de nombreux champs d'investigation et à faire émerger de nouveaux traitements. Elle a notamment participé à la découverte des deux principales innovations de ces 20 dernières années. Le test de diagnostic précoce pour la polyarthrite rhumatoïde et la révolution des biothérapies. La Fondation Arthritis soutient la recherche académique de façon transversale, de la recherche fondamentale aux essais cliniques avec les patients et leurs familles, et ce sur les trois grands domaines de recherche qui concernent les rhumatismes articulaires. Les conséquences mécaniques, point commun de toutes les pathologies. Le fonctionnement du système immunitaire et ses dérèglements, qui sont la cause des rhumatismes les plus graves. La génétique, afin de comprendre l'origine et de pouvoir agir à la source. Dans chacun de ces grands domaines de la recherche, la Fondation Arthritis, sur l'avis de son conseil scientifique, soutient les meilleurs projets et les équipes les plus dynamiques et favorise les connexions entre les différents pôles de recherche publics, privés et les universités. En organisant un véritable réseau de chercheurs et d'étudiants et en synchronisant les projets scientifiques en Europe et dans le monde, la Fondation, en partenariat avec l'INSERM, le CNRS et les institutions, crée une dynamique, amplifie le mouvement, accélère la recherche pour trouver des solutions concrètes. En fédérant et en sensibilisant la population, les médias, les institutions, la Fondation participe à l'alerte et à la prévention de l'ensemble des rhumatismes. Toutes les actions qu'elle entreprend visent à financer le plus largement possible la recherche. Et parce que le groupe Clarins prend en charge tous les frais de fonctionnement, 100% des fonds récoltés sont reversés à la science. En faisant un don, vous participez à ce grand mouvement vers la guérison.